Hey, I think I'm going to get started. Thank you all for coming. I think a couple of notes before we get started. Full Sun actually came with to the U.S. through an IVLP program, and we're very thankful that he took a little bit of time out of his busy schedule to come and talk to us. And he'll have to leave at 12 sharp for a meeting at State Department. So thank you again, Faustin, for being here. And the second note, Faustin prefers to express himself in French, and I will do my best to convey his meaning in English, so bear with me. Since this is a short event, I think we might as well get started. I am Pierre Tanchu. I'm the Assistant Program Officer here at the National Endowment for Democracy for Central Africa. And as such, I work on Burundi. The National Endowment for Democracy is a grant-making organization that supports civil society throughout the world to promote and advance democratic values. That's just kind of a short introduction. I don't want to go too much into details. And as such, we're really proud to count Faustin's organization as one of our grantees, PARSEM. As the man himself, Faustin, I want to introduce him briefly, a man who needs no introduction because you have his bio here in front of you. Faustin's career really spans over 15 years, really, as a political economist, ranging from an executive in a prominent bank in Bujumbura to the lead consultant for the Burundi's 2013 National Strategy on Good Governance and Fight Against Corruption. So we feel really lucky to have Faustin here to speak with us. He's the executive director of Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, PARSEM. And without further ado, I'll kick it off to Faustin so he can give us his analysis really on the Burundian crisis, which is really been at the forefront of the news lately. Thank you. Comme vient de le dire, mon nom c'est Faustin Dikumana, et je suis de la société civile burundaise. Et maintenant, je suis ici à Washington dans un programme intitulé International Visitor Leadership Program, où certains leaders de la société civile et des organisations étatiques sont invités ici aux États-Unis par le département d'État pour voir l'expérience américaine dans de très belles choses. So, as you said, my name is Faustin Kumana. I'm here through the International Visitor Leadership Program from the State Department, which invites leaders to the U.S. Nous sommes 15 pays africains qui sont ici. Nous avons visité différentes institutions américaines, le Parlement, le siège du Parlement, à la Maison Blanche, les institutions, le département de la justice, le département d'État, et les autres institutions comme NGO, et qui sont dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ça nous a permis de voir comment les États-Unis ont pu quand même développer leur système, leur puissance économique, en adoptant certains comportements qui devaient nous servir d'exemple dans nos pays. So we are 15 countries that are represented. We visited institutions, U.S. institutions such as the Senate and the White House, Justice Department, GAO, which are all institutions which helps the government fight against corruption, that have allowed the U.S. to become the thriving economy that it is, and where there is rule of law. Et comme nous sommes en train de voir de belles choses dans la bonne gouvernance et le leadership, je voudrais vous parler en général et en Afrique, les problèmes de gouvernance que nous avons et de leadership, mais plus précisément en parlant de mon pays, le Burundi, qui est actuellement en crise. So as we see all these good things, all these great things about good governance and leadership here, I'd like to talk about those themes in an African context, but more precisely in my country, Burundi.
Et la crise au Burundi a éclaté, je crois, au mois d'avril 2015. C'est parti d'un mandat controversé de mon président de la République aujourd'hui. Et certains ont contesté la légalité de son mandat, alors que d'autres disaient que le mandat était légal. Et ça a provoqué une crise profonde, une crise politique profonde, et une divergence de points de vue dans mon pays, ce qui a provoqué des tensions. Les manifestations qui avaient été organisées, qui ont dégénéré, ça a provoqué une tension. Jusqu'à actuellement, il y a toujours des séquelles de cette crise liée à cette divergence de vie et de la Constitution. So the Burundian crisis started En avril. in April 2015. It stemmed from a controversial mandate in which from my president, who is my president today, some contested his that mandate, other were for it, and it caused a profound crisis and protests with that degenerated into violent protest. And which created tensions in a country that are still ongoing. Et aujourd'hui, alors, la crise au niveau politique, il y a une méfiance aussi de la classe politique. Au niveau sécurité, il y a toujours des problèmes de sécurité parce qu'il y a des fois des attaques des éléments armés. La police intervient. Des fois, il y a des dommages collatéraux. Ça crée un engrenage de la violence. Et au niveau, il y a encore des réfugiés. Et au niveau économique aussi. La situation n'est pas du tout bonne parce qu'actuellement, il y a une crise de confiance entre le Burundi et ses partenaires, justement liée à cette crise politique, et notamment les partenaires comme l'Union européenne, la Belgique, qui étaient les premiers bailleurs de fonds. Ça a des répercussions sur l'économie de notre pays parce que le Burundi, quand même, il faut l'accepter, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec l'un des PIB les plus faibles d'Afrique. Et c'est vraiment la pauvreté aussi, c'est un défi très important et qui est la conséquence immédiate de cette crise aussi. So today, the crisis created political mistrust, security problems, the police intervening sometimes did not help things. There've been refugees, but especially the economic situation is really bad because Burundi depended a lot on partners like the EU and Belgium, and because of all of that, Burundi has gone even deeper as one of the poorest countries in Africa, one of the lowest GDP in the world. So the economy has struggled the most out of this crisis. Aujourd'hui, alors au Burundi, tout le monde, au Burundi, ailleurs, on se demande comment sortir de cette crise. C'est ça même la question fondamentale, comment sortir de cette crise. Pour nous, alors, nous disons qu'au Burundi, il y a une particularité. Parce que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, au Burundi, les textes fondamentaux, la Constitution, l'accord d'Arusha n'ont jamais été modifiés. Ils n'ont jamais été modifiés comme ça se fait ailleurs. Chez nous, il y a eu une divergence d'interprétation de la Constitution sur un mandat de 5 ans, un mandat de 2015 à 2020. So everyone now is thinking how to get out of this crisis. But differently from other places, the constitution and the Arusha Accord have never been changed in Burundi. There's only been a difference in terms of the interpretation of those documents. La crise ne devrait pas durer du moment que l'esprit de limitation des mandats est toujours là chez les uns et les autres. À l'opposition, ils disent que l'actuel troisième mandat du président de la République est illégal, que le deuxième et dernier, il était de 2010 à 2015. Pour les autres, le dernier mandat, c'est de 2015 à 2020. Le point positif de tout cela, c'est qu'au Burundi, tout le monde garde l'esprit de limitation des mandats, contrairement ailleurs, où on enlève l'article qui limite les mandats.
So the crisis should endure as long as there is the mandate issue persists. The opposition says that the last mandate of the government of the president was in 2015, and people that are on the other side are saying that the last mandate of the government was in 2020. So as long as there is that debate, really, the crisis will endure. Au moment de prestation du serment au 26 août dernier, le président de la République aussi a répété que, comme la Cour constitutionnelle a dit que son troisième mandat est le dernier. Et d'ailleurs, pour lui, il dit, lui aussi, il dit que c'est le deuxième et qui est le dernier. So during his swearing, the president said that the Constitutional Court agreed with him that this is his last mandate, and he has said repeatedly that this is his last mandate. Alors, this is his second and last mandate. Alors, au lieu de continuer à détruire notre pays, à enregistrer des morts, nous vous dirons que la communauté internationale aide le Burundi à recouvrer la voie du dialogue pour nous, pour voir comment gérer d'une manière responsable cette période de 2016 à 2020 pour retrouver les institutions, inspirer confiance à la communauté internationale, pour mobiliser les fonds nécessaires pour alléger les souffrances du peuple, qui peuvent aussi refaire les fondamentaux de la démocratie et aussi pouvoir organiser des élections crédibles en 2020. Ce dialogue, alors, devrait voir comment co-gérer d'une manière responsable cette période. 4 ans dans la vie d'une nation, ce ne sont pas quelque chose de terrible. Il faut que les gens vraiment et le courage d'offrir la paix dans notre pays, la communauté internationale nous y aider, éviter les extrémismes, les jusqu'au-boutisme des uns et des autres, voir l'intérêt spirituel de notre nation pour quand même nous aider à ce que les 4 ans soient gérés d'une manière responsable. Et le débat sur l'illégalité ou la légalité du mandat. Attends, je traduis. So instead of continuing with all the death tolls and all the violence that is going on right now, the international community should help Burundi deal really with the period, how to deal with this period that the president is in power from 2016 to 2020, to be able to reestablish institutions that will help strengthen democracy and ultimately organize credible elections in 2020. Because at the end of the day, 4 years in the life of a country is nothing, and the international community should help Burundi deal with this timeline now that Nkurunziza is in power. Alors pour moi, la solution devait passer par 4 axes. Et les 4 axes constituent même les questions qui devraient être traitées au cours du dialogue. D'abord, étudier les mécanismes pour arrêter à tout prix toute forme de violence et établir la sécurité pour tous dans notre pays. Tu peux répéter par là, étudier. Étudier les mécanismes pour arrêter toute forme de violence dans mon pays. So, c'est ça la priorité actuelle. So for me, there are 4 points that really should be brought up in the dialogue to, and that are solutions. First off, to study mechanisms to stop the violence. That is the primary objective. Deuxième axe, c'est la relecture de l'accord d'Arusha et la constitution qui en découle pour vraiment s'approprier ça. J'appelle ça l'appropriation citoyenne de l'accord d'Arusha et de la constitution qui, en fin de compte, ne doivent être pas modifiés. And reread the read again the Arusha and accords and the constitution so that citizens can appropriate les citoyens peuvent s'approprier oui. Citizens can appropriate ownership really oui. of the constitution by the citizens of Burundi and they should not be changed. Parce que l'accord d'Arusha, je le répète, et la constitution constituent le socle de stabilité de notre nation. Because it constitutes the foundation and the stability of our nation. Et troisième axe, c'est voir comment aboutir à un pacte de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques qui oblige nos hommes politiques au respect des principes sacro-saints de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption pour créer les conditions de croissance.
The third point is how to really have good governance and fight against corruption to achieve development, the development of our country. Quatrième axe, c'est débat sur la situation inquiétante des indicateurs socio-économiques de notre pays, la situation économique, sa mauvaise place par rapport aux autres pays, alors qu'il regorge de meilleures potentialités. Cela pourrait réveiller la conscience des uns et des autres. Et on devrait créer une dynamique de vision commune et de leadership pour faire le Burundi un pays émergent. Donc, débat sur les indicateurs sur la situation économique de notre pays. Pour créer la conscience sur sa place mauvaise par rapport à d'autres pays, alors que nous avons des ressources naturelles. Okay. So, and have an actual debate on the social and socio-economic indicators of Burundi. So, to have a clear view of what needs to be done, why other countries have resources and Burundi also has resources, what needs to be done for Burundi to get ahead? Parce que le Burundi, même si c'est un pays pauvre, c'est un pays qui a de meilleures potentialités, c'est un pays beau, c'est un pays qui regorge beaucoup de ressources naturelles nécessaires pour s'orienter vers le chemin de l'émergence. Il suffit de renforcer la bonne gouvernance et la démocratie et la lutte contre la corruption pour le leadership responsable pour créer ces conditions d'émergence. Because while Burundi is a poor country, it's a beautiful country with a lot of potential, a lot of resources, that just needs to have its. We just need to reinforce democracy and good governance in accordance to have development for the country. Et en terminant, je lancerai un appel à tous mes compatriotes de se dépasser, d'éviter des positions extrêmes, de se rassembler pour sauver notre pays. Et je demanderai à la communauté internationale aussi de nous soutenir pour avancer, pour que cette période de crise ne nous enfonce pas. So to finish, I'll call my fellow Burundians to restrain from taking extremist positions, extremist views, and to ask the international community to support us to ultimately end the Burundian crisis. J'aurais parlé beaucoup de choses, mais comme le temps fait des fois, peut-être au niveau des questions, on pourra échanger. Ma petite introduction sur limite là. I was going to say much more, but because we don't have enough time, I'll just stop here in my introduction, and we could probably discuss more during the Q&As. So right now, I'd like to open it for question and answers. Please restrain to questions and our comments. I may have to cut you off. I wouldn't want to do that, the gentleman here. And please state your name, your affiliation. Please, thank you. Hi, my name is Frank Alzona. I'm very happy to have been able to hear what he has said. I think the presentation about the constitution and the laws and corruption is very interesting. My question is, how does the crisis in Burundi affect the people of Burundi, as far as civil rights, civil liberties, human rights, that kind of thing? And furthermore, what has the African Union and the international community done? I think it's great to ask them to do more, but what have they done until now to help out? What's the situation with the young boys that were forced into the fight and so on? Thank you. I'll translate this question first, and then I'll take a second one, and then we'll come back to Faustin. Donc, sa question, c'est, il est déjà content d'entendre ce que tu as dit, ta présentation. Sa première question, c'est comment est-ce que la crise, quel est l'effet de la crise sur la population, les droits civiques de la population des Burundais, droit de la liberté et tout cela. Et sa deuxième question, plus précisément, qu'est-ce que la communauté internationale et l'Union africaine ont fait par rapport à la situation, une situation
qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la crise, quoi, l'Union africaine et la communauté internationale. Il a parlé d'un exemple où il y a des jeunes personnes qui sont recrutées pour être soldats. You were talking about young people recruited to be soldiers. Is that was the last, yeah. Where are they recruited? La presse dit qu'il y a les enfants soldats qui sont recrutés. Oh. Bon, qu'est-ce que l'Union africaine, la communauté internationale, en fait, fait pour cette crise? The red shirt. Jacques Bahati with the Africa Faith and Justice Network. My question is about the Hutu-Tutsi divide. Pierre Nkurunziza understood very well that divide was closing in to bring about peace and harmony, but he stood on his personal interests. What kind of vision does that man have for you to suggest that we need to even tolerate him for next 4 years? Thank you. So your question, that was a comment? Yeah, it's a question. Why should he stay there when what he stands for is practically undoing the progress that has been done for the past since the Arusha Accord? Donc sa question a commencé avec la division Hutu-Tutsi et que le président Nkurunziza a utilisé cette dynamique, cette division Hutu-Tutsi. Et pourquoi est-ce qu'en fait il devrait rester en tant que président alors qu'il a marché sur les accords d'Arusha qui ont donné vraiment un progrès? Et pourquoi est-ce qu'il doit continuer à rester président? So we'll take those two questions first and let Foster answer. Vas-y. Et pour les effets de la crise, les effets sur les droits civils de la crise, d'abord dans mon pays, et comme d'ailleurs partout en Afrique, il y a un problème de compréhension de la démocratie même. L'exercice démocratique est mal perçu par pas mal de mes compatriotes, que ce soit au niveau des citoyens, que ce soit même au niveau des dirigeants. D'abord, les manifestations qui ont été organisées, vous savez, pour ceux qui les ont organisées, c'était des manifestations pacifiques. Mais pour d'autres, du gouvernement, on dit que c'est un mouvement insurrectionnel. Déjà, au niveau de cette terminologie, il y a un problème. Quand les gens disent « nous avons organisé des manifestations pacifiques », le gouvernement dit que c'est un mouvement insurrectionnel. C'est déjà un problème de terminologie. Qui dit mouvement insurrectionnel, ça veut dire qu'il y a déjà qui sont impliqués dans un mouvement insurrectionnel qui seront poursuivis par la justice. Attends, je traduis. There are issues really of understanding democracy and democratic activities in many countries. In some of our countries, people don't really understand them well. In my country, those activities are not well seen. And when you talk about protests, the protests, some of them were peaceful, yet some the government said some of them were... it was an insurgency, and really there's this issue of different terms that are used, because when you talk about insurgency, you talk about legal actions against those people. Alors, certains médias, certains organisations de la société civile sont accusés d'avoir participé dans un mouvement insurrectionnel. Maintenant, ils sont sur le coup d'une enquête judiciaire. So, ça limite les libertés d'ensemble parce que ces organisations ne fonctionnent pas, ces médias ne fonctionnent pas. Tout cela, alors, devrait être déblayé dans le dialogue qu'on est en train d'appeler parce que ceux qui organisaient ces manifestations disent que c'était une organisation pacifique pour soi-disant émettre leur opinion sur le soutien ou le non-soutien au troisième mandat du président de la République. So some of the media organizations and society organizations that were part of it were accused, were lumped really as being part of the insurgency, and really that has been the problem. Qu'est-ce que tu as dit après quand tu as dit que c'est... Le problème, c'était que c'était l'organisation du média et les OSC. J'ai dit que la conséquence de tout cela, c'est que maintenant, il y a des médias qui ne fonctionnent pas. So now the consequence is that qui ne fonctionnent pas, soi-disant qu'ils ont participé dans un mouvement. Now you have civil society and media that is not functioning because it's been said that they've been part of an insurgency. Tout cela constitue une divergence de point de vue, ce que j'ai dit. Le dialogue pourrait déblayer tout ça. On devait discuter... Yeah. Pour voir ce qui s'est passé, la responsabilité des uns et des autres, pourquoi
Et je crois qu'une solution serait trouvée. And all that is due to really a divergence, different terms being used, and there needs to be dialogue to really understand what has happened and who did what. Oui. Parce que sinon, le résultat est que l'image du Burundi actuellement, ça devient comme l'image d'un pays qui est en train d'enfreindre la liberté, surtout au niveau de la société civile et des médias. Je crois que le dialogue pourrait déblayer tout ça. Because now the result is that Burundi is seen as a country that's trampling on the freedom of suicide organizations and the media, and really, if there is dialogue, that will help clear that. Et quant au problème Hutu-Tutsi, je ne crois pas que le niveau actuel de la crise serait lu sous le prisme de la lutte entre Hutu-Tutsi. Et parce que depuis la signature de l'accord d'Arusha, il y avait une évolution par rapport à cette question. Dans les formations politiques, il y a des Hutus et des Tutsis. Dans le parti au pouvoir, même dans le parti opposé, il y a des Hutus et des Tutsis. Je crois qu'actuellement, il faut plutôt voir lire le problème en termes de gouvernance dans notre pays. Le problème de gouvernance, ce n'est pas vraiment un problème fondamentalement actuellement ethnique. So I don't think that the crisis is seen really as an ethnic problem, Hutu Tutsi. There have been progress made on that question since the Arusha Accords. Right now in the government, you see both ethnies. In political parties, you see both ethnies. I think the issue is an issue of governance. C'est un problème de gouvernance, de compréhension, de l'exercice démocratique. Quand je suis au pouvoir, quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Même si je suis élu, quand je suis à l'opposition, quelles sont mes limites par rapport à ceux qui exercent le pouvoir? Ça crée toujours des tensions. Je crois qu'à partir d'un dialogue profond, on pourrait voir comment remettre les choses sur les rails. Sinon, actuellement, le problème au Burundi, ce n'est pas foncièrement directement Hutu-Tutsi. So understanding the issue is good governance. It's governance. Understanding exactly what are democratic values, what are my limits as a ruling government, and on the what can I do? And on the other side, or on the opposition side, what are my limits and what can I do? And really through dialogue, both sides will be able to come to a conclusion that will lead Burundi out of the crisis. Pourquoi le président est encore là? Je ne saurais pas répondre parce que dans une situation de crise, on analyse les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le président de la République actuelle au Burundi, c'est Pierre Nkurunziza. Quelle que soit la façon dont il est parvenu au pouvoir, mais l'essentiel, c'est de comment est-ce qu'on peut gérer actuellement le pays pour retrouver ce qu'on peut appeler la normalité. So in a crisis such as this, really you just need to be realistic. The president of Burundi is Nkurunziza. No matter how he got in power, now what you need to deal with is comment que maintenant le président c'est Nkurunziza et maintenant ce qu'il faut faire c'est comment gérer la situation pour retrouver la normalité. How to deal with the situation to come back to a normalcy. Parce qu'en fin de compte, si on analyse en profondeur dans nos pays, le problème, ce n'est pas la façon dont on arrive au pouvoir. C'est la façon dont on le gère et la façon dont on le quitte. So the issue in our country is not how you get to power, but how you manage power and how you leave it, how you quit it. Parce que si on analyse en Afrique, certains chefs d'État sont ici des coups d'État, d'autres des rébellions au pouvoir, d'autres des élections contestées, d'autres des élections acceptées. Mais tout cela, on se demande comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont au pouvoir. C'est pour faire avancer les choses ou pour faire reculer les choses. Je crois que le problème, il faut l'analyser dans son sens pour retrouver la normalité. Sinon, on doit partir avec ce qu'on a aujourd'hui. Because in most African countries, you know, many presidents have come to power through coups, through contested elections, even normal accepted elections. But what matters is what are they doing to advance to the country forward or making it go backwards? What really matters is how the president manages his country. Lady in blue.
Good morning. Imani Countess with the Solidarity Center. First, I would just like to issue two apologies. One, I was late, so I may have missed. You may have already presented on the question that I have. Two, I don't speak French. Like many Americans, I only know one language, so I may have misunderstood something in the translation. I am very struck by several of your comments. The president's in power. We need to deal with this situation. The question is how you manage power, not so much how you get there. And at one level, I do understand your encouragement for us to deal with the real politics of the situation. But part of the real politics, as we understand them, is that there are over 200,000 people who have now fled. Manny, if you don't mind, let me just, that one part. She just, first of all, apologize. She's going to ask you a question. Maybe you've already presented on that. I don't know. What I'm going to do is, as you ask your question, I'm going to translate directly. That's easier for me. The OS is good design. I know with elle était très touchée par tes commentaires quand tu as parlé, surtout que le président est déjà là. Maintenant, il faut qu'on dilaye la situation, qu'elle est déjà là. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de 200 000 personnes qui ont fui le pays. Now, part of the real politics or the current situation is that over 200,000 people have fled the country, that over 300 trade unionists, and those are our partners, the Solidarity Center works with trade unions, over 300 of our partners are either missing, jailed, or dead. And so this issue of how you manage the current situation and how one, yes, stops the violence and also holds people accountable, these are also foundational questions that relate to governance and moving forward. So I was wondering if you could speak a bit more to that challenge. My name is Ntal Alimasi, and I'm with the Africa House, and it's an independent consultant, actually, firm. I will translate myself. Speak French. Yeah, that's it. The first question is, when you speak of the Arusha Accords and the Constitution, and you speak about, you know, what will happen, the dialogue, my understanding is that the Burundians made the Arusha Accord to be an article a law. And so I would like from you an explanation how you put forth the Arusha Accord, which according to governance is under the constitution as a law in the country. The second question would be on the discovery of rare earths in Burundi and what with the Burundian government's decision to deal with the BRICS countries, what that plays as a role in this crisis. Let me translate quickly. Mm-hmm. Je voudrais un peu avoir ton opinion, ton analyse sur le fait que quand vous parlez des accords d'Arusha et de la Constitution, les Burundais avaient choisi de faire de l'accord d'Arusha une loi au Burundi. Et donc, de par la bonne gouvernance, une loi ne peut jamais se superposer à la Constitution. Donc, je voudrais un peu ton analyse là-dedans. La deuxième question, c'est la découverte des terres rares au Burundi et la décision du gouvernement burundais de faire plutôt le commerce avec les pays
comme enfin, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique, l'Afrique du Sud, et non pas les pays occidentaux. Quel est le rôle que cette découverte et cette décision ont joué dans cette crise? Bon, d'abord, je voudrais un peu... Il y a une question que à laquelle je n'avais pas répondu sur l'apport de l'Union africaine, de la communauté internationale. Maintenant, l'Union africaine et la communauté internationale, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est de pouvoir faire que les Burundais s'assoient ensemble dans un dialogue inclusif pour traiter leurs problèmes. So I want to go back to the AU international community question I didn't answer earlier. What they are doing is making sure that there is an inclusive dialogue. Il y a pas de solution violente au Burundi. There is no violence is not the solution, Burundi. I don't believe in that. C'est vraiment le dialogue inclusif parce que la crise n'est pas profonde. Les Burundais ne veulent pas négocier un autre accord. Ils ont un accord de cohabitation. Les Burundais ont une constitution. Elle est là. Il faut un dialogue vraiment pour retrouver la normalité. The there needs to be dialogue to get back to proper Burundi. The qu'est-ce que tu as dit au début quand tu parlais? Tu as dit quoi? Quand je parlais. Au début, ce que tu disais, ce que tu viens de dire au début. Par rapport. Non, je me suis souvent rappelé quand tu as dit que... Je disais que les Burundais, que maintenant, comme ils ont les textes fondamentaux qui n'ont pas modifié, que le dialogue inclusif devrait permettre de retrouver la normalité. Yeah, because Burundi has legal texts that have not been touched, a dialogue should be the solution to get back to a normal state. Quant à la question de madame, maintenant la priorité Burundi, c'est l'arrêt de la violence. Avoir les gens qui sont tués actuellement, les morts, il faut que la violence cesse. To your question, the first thing that needs to be done is stop violence. Continuer à faire un débat, l'égalité de Nkurunziza, alors que les gens sont en train de mourir, pour moi, ça n'a pas de sens. Talking about the legality of whether or not Nkurunziza should or shouldn't be president doesn't make sense. We need to stop that. On doit d'abord arrêter cette violence. We need to stop this violence. Et puis les gens vont dialoguer. And then people will dialogue. L'esprit de dialogue au Burundi, on est habitué à dialoguer même dans le passé. Spirit of dialogue is strong in Burundi. We used to talk things out even in the past. Il y a l'accord d'Arusha qui a été signé et d'autres accords de paix qui l'ont suivi et qui ont fait partie intégrante de l'accord d'Arusha. There have been the Arusha Accords and even other peace deals that have been signed that are part of the Arusha Accords. Pour faire même la paix, on a été obligé de donner une amnistie provisoire à certains pour qu'ils puissent venir rentrer pour construire la paix au Burundi. Even to have peace, we've been forced to give amnesty to some people to come back in the country to have peace. Si le Burundi retrouve la stabilité et les institutions crédibles, on pourrait traiter toutes ces questions de justice, qui a été responsable, qui n'aura pas été, pourvu qu'on a des institutions crédibles qui inspirent confiance en tout le monde. If Burundi gets back to credible institutions, then we can look at who to hold accountable. Et les institutions crédibles peuvent venir dans un dialogue profond et sincère. Partout, on peut dialoguer, voir comment avoir un gouvernement qui peut gérer tout ça. And these institutions can stem from a sincere dialogue, how to have a government that can deal with all these issues. Et quant à la question sur l'accord d'Arusha et la constitution, l'accord d'Arusha est au-dessus de la constitution. The Arusha Accord is ahead. Émane de l'accord d'Arusha. The Arusha Accord is above the constitution. Même au niveau de l'accord d'Arusha, on dit vie. Au niveau de la constitution, on dit vie l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments de l'accord d'Arusha qui ont été transmis dans la constitution. Even in the constitution, they say long live to the Arusha Accord. So the Arusha Accord is above the constitution. Actuellement, les deux textes sont là, ils n'ont pas été modifiés. At this moment, both texts have not been changed, donc modified. Les Burundais n'ont pas négocié d'autres textes, nous les avons déjà. So Burundians have not negotiated any other legal text, they already have it. Quant à la découverte des terres rares, justement au Burundi, ce n'est même pas les terres rares, il y a d'autres minéraux. Et la dynamique en vogue de certains pays africains de promouvoir la coopération sud-sud avec les pays émergents
Il y a toujours eu cette tentative, mais ça n'a jamais remplacé la coopération traditionnelle avec les pays occidentaux. So je ne crois pas que c'est pour autant dans l'immédiat que ça pourra être ainsi. Regarding rare earths, Burundi has even it's very rich in resources. In terms of promoting South-South cooperation, collaboration between countries, he doesn't. I don't think that what's still important is collaboration with. Tu veux dire la collaboration avec l'Ouest? Avec l'Occident, oui, oui. Yeah, collaborating with the West is more important than the South-South collaboration. Moi, je suis parmi les gens qui suivent les questions budgétaires de mon pays. Si j'analyse le budget, la place la plus importante de financement budgétaire, c'est l'Union européenne, la Belgique. I follow very closely our country's budget, and what's important in the country's budget is donation aid from the EU and other countries in the West. Mais qu'il y ait de ces tentatives de promouvoir la coopération Sud-Sud, je crois que leur force dépendra de la consistance même des échanges et du mouvement, du volume des échanges qui peut être entre ces deux types de monde. So, South ça sera pragmatique, ça ce n'est pas sentimental. We need to be pragmatic and not sentimental. So, South-South collaboration is not. Je ne sais pas comment dire. La collaboration Sud-Sud n'est pas. La coopération Sud-Sud, si elle va être promise, elle sera pragmatique. Elle partira de ce que peut être. Even if we have South-South collaboration, it needs to be pragmatic and realist and not on sentiments. All right. I'll love to acknowledge the Excellency. Thank you again for coming, the Burundian ambassador in the U.S. And I'll just like to give him 2 minutes, Excellency, please, to say something. Excellent. Quand vous parlez anglais et français, vous allez traduire. I will try to speak in both languages. Let me start by French. Je vous remercie pour votre présentation. Tout d'abord, il est important de noter que effectivement, il n'y a pas eu modification de la Constitution. Et le contenu de la Constitution est tiré de l'accord d'Arusha, qui principalement parlait d'équilibre ethnique et de mandat présidentiel. Il est important de noter aussi que l'actuelle Constitution, ce n'est pas le président actuel qui l'a rédigée. Vous avez parlé de la sécurité, mécanisme pour arrêter les violences. Je suis totalement d'accord avec vous, pratiquement avec tous les 4 points que vous avez proposés. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, il y a divers rapports des ONG, des journalistes, qui pointent du doigt le Rwanda en termes de recrutement, y compris des jeunes, d'armement et de distribution d'armes. Est-ce que vous qui venez du Burundi, vous confirmez que ces ONG, ce qu'ils ont dit est correct? Deuxièmement, est-ce que cela ne constitue pas une autre façon d'alimenter la violence? Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale par rapport à cela? Je n'ai pas négligé les problèmes internes. Deuxième question, c'est par rapport aux minerais. Je crois que le monsieur a pointé du doigt le nerf de la guerre, comme on dit. Moi-même, je l'ai entendu à voix basse, mais on le dit. Là, je voudrais rassurer les partenaires qui nous entendent que le gouvernement du Burundi n'a jamais dit, ne dira jamais qu'il va signer le contrat uniquement avec la Chine et la Russie. Tous nos partenaires sont les bienvenus. Et je suis mieux placé pour vous le dire parce que dans mes contacts, je cherche aussi les entreprises américaines qui seraient intéressées par ce secteur. Et j'ai l'aval de mon gouvernement. Bon, je pourrais peut-être limiter à cela pour ne pas monopoliser la parole. Vous allez traduire? Now, I will try to translate in English. My name is Ambassador Ernest Ndabashinze. I'm the ambassador of Burundi to US. I agree with Mr. Faustin Ndikumana that
In Burundi, the constitution has never been changed by President Nkurunziza. The problem was interpretation. Interpretation of constitution, as he said. I agree totally with him. And the president has said in 2020, he will leave the power. He's not there to extend mandate until 2050 or until that. No, it's clear. He made it clear and repeated many times. Regarding the mechanism proposed to stop violence, I agree totally with you. We have to find a way to stop violence. It's unacceptable. Today, we have many reports of journalists, Western journalists. We have many reports of NGOs saying that Rwanda is involved in recruiting young Burundians, including kids, and arming them and providing even weapons to them to attack Burundi. I can name, for example, this very substantive report of Refugees International. We have many reports for Eliza Buchanan, she's a UK journalist, etc., etc. And even we have recent report from Radio France International saying how people are sent through DRC. So, do you agree with votes, journalists, NGOs, you who are coming from Bujumbura, who came straight from Bujumbura, do you agree with that? If it's so, this is also a way of causing violence in Burundi. What is your proposal? What is your request to international community, to regional community, African Union, etc., etc.? The other issue is minerals. I said the gentleman really put on the table a very interesting question. There is even an American professor who wrote an article called How the West Lost Burundi, saying how Burundi signed a contract with China, with Russia, ignoring the West. I would like to confirm here clearly that the government of Burundi welcomes Western companies who are interested in investing in nickel, in uranium, in oil, etc., etc. And personally, I'm contacting some partners here to encourage them to come. We want to cooperate with all the countries in the world. Merci beaucoup. Thank you. Merci. We'll take one last call in person. The gentleman in the back. Yes. William Farrow Jaro, consultant on media issues. My question is, one of the real negative things that has happened during this crisis is that Burundian journalists have been targeted and attacked during the crisis. My question to you as a member of civil society is, what do you see the role of media going forward? As you say, we have the situation we have. We need to be realistic. What is the role of media in ensuring or enhancing this dialogue that you're talking about? I just would appreciate your comments on the role of media. D'abord pour moi, je suis contre tout ce qui pourrait alimenter la guerre dans mon pays. I'm against anything that would lead to war in my country. Je fustige cela du plus profond de mon cœur. I'm against it to the bottom of my heart. Le Burundi n'a pas besoin de guerre. Il a suffisamment d'autres défis qui le hantent. Burundi has enough issues. Doesn't need war. Quand j'étais à Bujumbura, moi aussi j'ai entendu cela qu'il y a des recrutements ici et là au Rwanda. On en parlait, même la question a été posée au président rwandais. When I was in Bujumbura, I also heard about the recruiting from Rwandans of civilians and children, and the question was posed to the president of Rwanda, who didn't confirm it. Je crois que cette question serait vraiment traitée au niveau de la diplomatie entre nos deux pays.
I think that needs to be a question left to diplomatic between diplomatic efforts between the two countries. Nous avons plusieurs cadres, la CPG, l'East African Community, la CIRGL, où nos deux pays sont membres. Nous pouvons utiliser tous les instruments disponibilisés par ces organisations pour éteindre cette tension entre le Burundi et le Rwanda. There are enough institutions and bodies that both countries are members of, like the CPG, the EAC, and they can use the instruments of those organizations to resolve this issue. Parce que dire que des recrutements seraient pour créer une rébellion, venir là, ça serait une cycle de violence. Because si quelqu'un prenait le pouvoir par la force, nous nous trouvons dans la même situation. Nous serons toujours en train de dire, tu prends le pouvoir par la force, comment retrouver la voie normale? C'est le cycle qui n'en finirait pas. Because recruiting people and saying that people are helping recruiting people and taking power by violence is just perpetuating a cycle of violence and will never get out of this. Il faut nous fier à nos textes. Les 4 ans dont j'ai parlé, monsieur l'ambassadeur a dit que, le président a dit que, mais en 2020, il va quitter. Il faut nous fier sur la gestion de ces 4 ans pour retrouver la voie normale. We need to believe in our legal text. The ambassador said, the president said that he will leave in 2020. We need to deal with how to manage these 4 years. C'est mon, parce que prendre le pouvoir par la force, c'est le cycle qui n'en finit pas. Même s'il y a un coup d'état qui viendra aujourd'hui, on retourne dans la même, à la case de départ. Comment retourner dans la normalité, dans les accords d'Arusha, dans la constitution? C'est un cycle qui n'en finit pas. Pourquoi ne pas retrouver la voie de la stabilité d'une manière définitive? Because even if there's a coup right now, we're still it brings about the issues how to get back into observing the Arusha Accords and how to get back to observing our legal text. Why not find a definitive solution? Si le coup d'état, par exemple, de mai 2013, de mai 2015 avait réussi, on serait en train de dire vous êtes là, mais par la force. Comment retrouver la voie normale encore une fois? La démocratie, les accords d'Arusha, la constitution. Je crois que le Burundi a besoin actuellement de stopper ce cycle d'instabilité. Il faut nous fier à nos textes et la divergence qui a eu lieu, il faut la gérer d'une manière responsable. If the attempted coup of May 2015 succeeded, we would have been asking ourselves all the questions I highlighted. We need to deal how to move forward. Je vous dis que le Burundi actuellement, les données sont là, il est l'un des pays qui ont un indice de la faim le plus élevé au monde. Burundi is one of the countries where there is the highest level of famine. Tu as de la faim? Oui. Malnutrition. Oui. Malnutrition. Il est l'un des 5 pays les plus dépendants de l'aide publique au développement au monde. Ce sont des données qui sont là. Burundi depends a lot on international aid. 70% de la population, c'est dans la misère. 70% de la population. Comment un tel pays peut vraiment se donner le risque de rester dans l'instabilité, alors que même les défis vraiment de pauvreté d'une vie indécente sont toujours là. How can such a country stay in instability while it has all these other challenges? J'interpelle la conscience de nos compatriotes de ne pas vraiment, il faut se donner violence, se dépasser pour reconstruire notre pays sans vraiment, en laissant de côté l'intérêt personnel ou l'intérêt sectaire. I call again on my fellow Burundians to go above and beyond to rebuild the country, to leave aside their personal gains. Quant à la question des journalistes, maintenant, vraiment, l'espace médiatique a été mis à rude épreuve dans mon pays. The media space indeed has been struggling in my country. Vraiment, c'est le premier point, même très fondamental dans le dialogue qui va s'ouvrir. C'est la question des médias de la société civile. It's the first question that needs to be addressed in dialogue, the question of civil society and the media.
même dans le dialogue qui a été ouvert entre le Burundi et l'Union européenne dans le cadre de la coopération ACP et l'Union européenne, la question des médias, de la société civile a été, on ne peut plus, importante. Even the dialogue between the EU and Burundi, the question of the media was a very important one. Et je crois que même le ministre de la société extérieure a dit que dans 2 mois, qu'ils allaient vider cette question pour quand même renormaliser la situation. And the foreign minister said that in 2 months they will deal with the situation to get back. Il va arriver, il se donne 2 mois. Deux mois pour renormaliser la situation. Yeah, the foreign minister said they give themselves 2 months to get everything back to normal. Parce que je le dis clairement, il y a aussi au sein de au sein du pouvoir, il y a certains esprits qui veulent toujours globaliser, amalgamer tout le monde qui n'aurait pas soutenu la candidature de Nkurunziza, de le qualifier de putschiste, de quoi. Je crois qu'il y a aussi une situation, c'est un comportement qui doit changer. C'est un effort. I also believe that in the people that are for the president, some of them want to lump everyone that was against the president term as being part of the putschist or the people that tried to overthrow the government, and that's wrong. Parce que si nous sommes dans une démocratie, dire qu'on est contre le troisième mandat de Nkurunziza, c'est tout à fait normal. Il faut faire un débat contradictoire et non pas toujours être ancré à être violent dans nos esprits. Because if we're in democracy, it's perfectly okay to say that we're against the president's third term, but we need to have a dialogue respecting each other's opinions. We have time, really, one last round of questions. I will take 2 questions, just the lady here and then my friend John. Soyez tout simplement sorry, let's be as fast and quick as possible. I hope this isn't self-serving. I'm from the Solidarity Center, and if there is any international media here, we're happy to facilitate interviews and conversations with some of our partners that have had to flee the country. And if you would see me afterwards, I'll be happy to make that happen. Thank you. So we'll take two more questions, and John and someone else out of hand. Bonjour, c'est Jean Manirakiza de la diaspora burundaise à Washington. Ma question est sur la MISOM. Il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui par beaucoup de gens qui disent que les forces de maintien de la paix servent à solidifier le pouvoir en place et que les moyens qui sortent de ces forces de maintien de la paix ne sont pas nécessairement donnés à ces soldats. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer quand est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? La deuxième question est de savoir s'il y a des rapports qui montre que même le président Obama a dit le 13 novembre qu'il y a des atrocités, il y a des gens qui sont assassinés d'une manière extrajudiciaire. Est-ce que vous pouvez confirmer que le pays peut continuer comme ça avec le président Nkurunziza en place? Merci. I will translate what I just said in English. I'm John Manirakiza of the Burundian diaspora in Washington. The question was on AMISOM, which is the African mission in Somalia, of which Burundi contributed about 5,500 forces. And there is a campaign by many Burundians asking for those troops to go back to Burundi because they believe that a country that is not at peace cannot be peacekeeping. And that some of the means that comes from that mission goes to solidify
the current president, and I wanted to just get the feel of what he feels. The second question was in reference to the message by President Obama on November 13, talking about all the atrocities that are happening in Burundi and the hate speech that is being used by some of the highest officials. And I'm asking whether the president now is able to manage the situation being part of the problem. Thank you. Thank you. I will translate myself. My name is Innocent Nukuri. I'm a medical doctor from Burundi. I came here as a Fulbright student. If you ask the impact of the crisis in Burundi, I'm the one who is suffering now because I finished with my program, but I cannot go back home because my family is targeted as the one who, the family, as among those who were against the third term. My question is, on the night of December 12, many people were killed, especially youth, and the family were not allowed even just to have the access to the bodies. My question is, Mr. Foster, I know you before. Is that correct that people were put in the same place in Bujumbura? Okay, let me translate in French. Foster, moi, je m'appelle Innocent Nukuri. Je suis médecin, on se connaissait avec Foster. S'il y a des gens qui sont affectés par la crise, je suis parmi ceux qui sont vraiment affectés. Parce que je suis venu ici comme médecin dans le programme de Fulbright, mais je ne vais pas rentrer au pays. Parce que ma famille, là, dans ma région natale, mais ma mère ne passe pas la, maison, la nuit à la maison. Il y a mes soeurs et mes frères qui sont visés parce qu'ils ont protesté contre le troisième mandat. La question est, la nuit du 12 décembre, il y a eu des morts. Il y a eu probablement 400 morts qui ont été tués. Même leur famille n'avait pas le droit de les enterrer. On a dit qu'on les a mis dans des fosses communes. Toi qui viens directement de Bujumbura, est-ce que tu peux confirmer ça? Et la dernière question, quel est le président qui va durer 4 ans alors qu'il y a des jeunes qui sont tués à Bujumbura où être jeune est un crime contre l'humanité? Quand tu es jeune, on te prend dans la rue et on te tue. Quel est ce président qui va durer pendant 4 ans en train de tuer les gens sans même prononcer un mot d'apaisement? Je vous remercie. So just to translate his question for those of you who didn't hear, the first one was about mass graves after the December 12th massacre. Is that correct? He's trying to say, see what for some things about that. And the second, how can we allow Nkurunziza to be president for 4 more years when being a youth in Bujumbura really is a crime now? And how can we allow him to be stay president for 4 years when he's killing with such impunity? Quand je dis qu'en politique, quelquefois, il faut se dépasser, j'ai dit en politique qu'il faut des fois éviter aussi les émotions parce que la politique évolue d'une manière dont on ne maîtrise pas. Moi, j'ai dit qu'il faut nous fier à la stabilité de nos textes, à nos institutions et non pas nous fier à des hommes. Nos oui. pays seront stables si nous avons des textes et des institutions fortes et non pas toujours nous fier à des hommes. When I said, you know, in politics, we should avoid we should avoid being emotional. We have to believe in this crisis. We have to believe in our legal texts, not in people. Nkurunziza, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Nkurunziza, you might like him or you might not. Si tu veux qu'il quitte le pouvoir, donnez-nous la forme. If you want il va démissionner, on va le pousser par la force. Il y a des choses qui nous... Quel est le chemin qui va nous faire quitter le pouvoir immédiatement? Proposez-moi ce... If you want Nkurunziza to leave, what are your options? Propose, give me an option to replace him. Moi, je me fie aux textes que je connais, qui sont là, quand ils ne sont pas modifiés, et nous donnent la stabilité à long terme. I believe in the texts that are here and that will lead to stability long term in a country. Si la constitution et les accords sont respectés, Nkurunziza peut partir en douceur en 2020. If the Arusha constitution is respected, Nkurunziza can live in peace in 2020.
Alors, si vous vous engagez à rechasser par la force, est-ce que les morts qui vont être occasionnés, vous pouvez les imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer combien ça peut nous faire éclater une guerre? So et des fois, think, il n'y a pas à aboutir. So c'est pour cela que nous disons... Can you think about chasing him away by force? Think about all the death that's going to cause. Nous disons, il faut plutôt ce dialogue, voir comment plutôt sauvegarder nos textes. We need dialogue. We need to consult it and save our legal frameworks, our legal texts. Mais rester dans le débat, nous disons partir, nous disons ça, c'est un débat qui alimente, c'est un peu qui alimente des débats stériles. It's a sterile debate whether or not Nkurunziza should go or leave. Alors que les gens sont en train de mourir à chaque instant. Why people die every day? Bon. Pour ce qui s'est passé le 12-12, justement, j'étais à Bujumbura. I was in Bujumbura on the 12th. On nous a dit qu'il y a une attaque. They told us there were attacks. Marmé, que la police était intervenue. Police intervened. Avec peut-être des moments disproportionnés. Je n'étais pas sur le terrain pour revoir. Mais il y a eu des morts. I wasn't there. I wasn't on the des ground. Des dommages collatéraux ont eu lieu. People died. There were damages. C'est pour cela justement qu'on voudrait arrêter cette violence. That's why we need to stop the violence. Aller au dialogue. And go to quand through nous avons dialogue. Des textes qui peuvent nous faire retourner à la normalité dans un proche avenir. When we have texts that can help us get back to a state of to a normal state. Sinon, ce dialogue, même s'il était engagé, nous supposons que quand même, c'est toutes ces questions qui seraient traitées, les médias, la liberté. Toutes ces questions seraient sur la table. Comment retrouver la liberté? Comment ne pas toujours être inquiété parce qu'on a levé le doigt contre le troisième mandat alors que nous sommes dans un état démocratique? And in that dialogue, all these issues could be raised. How not to worry about the fact that we're against the third mandat while we live in a democratic state? Je crois que même l'ambassadeur est ici. Si le Burundi se dit être démocratique, une seule opinion, sans toutefois que vous ayez un autre délit qui vous poursuit, exprimer à une opinion dans une démocratie, ça fait normal. The ambassador is here. He can attest, being in a democracy, if you express yourself, there's nothing wrong with that. It's normal. Je m'excuse. Alors, Amisom. Oui, Amisom, les fonds de l'Amisom, justement, cet homme, ça a été problématique. Moi, je suis les questions de bonne gouvernance dans mon pays. Des fois, on disait que l'argent n'est pas percé au niveau du budget. C'était problématique. Ce jour-là, je crois que le ministre de la Défense avait été invité d'aller expliquer ça au Parlement. Mais malheureusement, la crise a éclaté. The issue, I mean, some, there have been a lot of issues. There have been a lot of things that have been said that some of the money is not getting to the soldiers. The Minister of Defense was called to explain himself at the Senate, but the crisis then happened. Nous-mêmes, au sein de mon organisation, je me souviens qu'on avait justement demandé la transparence par rapport à cela. Et c'est tout à fait normal, quand je suis un citoyen qui milite pour la bonne gouvernance, demander l'utilisation des fonds publics, c'est mon droit. Et je l'ai fait. Et le ministre de la Défense de l'époque disait qu'il allait expliquer ça au Parlement. Mais malheureusement, après la crise a été éclatée, ça n'a plus été la priorité. Even as my organization asked for the Minister of Defense to be transparent about those funds, and he was going to explain himself, but the crisis happened. Okay, so malheureusement, j'ai un rendez-vous au département d'État à 12h15. Unfortunately, I have a meeting at the State Department. I really want to thank you all for coming. I mean, this was short but incredibly important. And yes, please join me. And thank you for bearing with my translation. Thank you all. I encourage you all to give your cards or take for sense cards, and whenever you have time, you